Attention, disclaimer, cette vidéo, c'est l'équivalent d'un shitpost. Vous allez rien comprendre si vous n'avez pas vu la vidéo précédente. Donc, regardez bien ma vidéo qui s'appelle « Vous, créer une de mes vidéos en 48 heures ». Voilà. Désolé pour ce massacre. Oh. Là, c'est chaud, hein. Et il va mourir, le gars. Quoi? Putain, relou! Oh, fils, je vais te dire comment gagner 1 milliard de milliards de millions de dollars et 12 centimes! Vas-y, dis-moi! Pour ce faire, tu vas... Oh! Non! Oh! Non! Oh! Dommage. Je suis mort. Ok. Non! Mon grand-père, il est mort! Je sais où Findings, ton trésor... Je sais où est ton trésor. Et il est où? À Roubaix. Comment ça à Roubaix? Mon grand-père, il vient de bus. Comment ça, bus? Eh oh! Vous savez quoi? Je pense que votre papy a des secrets. Vous devriez enquêter. D'accord. Vous devriez pas y aller tout seul. Attends, attends, je vais t'aider. Vraiment pas pour l'argent. Hein. C'est zéro argent. Vraiment, l'argent ne fait pas partie de l'équation. L'argent. Non, pas moi. L'argent, c'est pas moi. Non. Moi, c'est Feldoup. D'accord. Et tu t'appelles comment? Fel. Et ton nom de famille? Doup. Comment tu connais mon grand-père? Merde, il va mourir. Oh, j'ai crevé! Ah, ce pneu, il est crevé. Oh, mais mec, regarde, on est à Roubaix. La ville où on devait aller, en fait. Oh, c'est quoi, ça? Oh. Cette croque me dit quelque chose. Tiens, fiston, ça c'est un trésor qui vaut de l'argent. J'ai la croque. Mais comment? Mais non! De toute façon, tu as besoin des deux croques pour que ce soit le trésor, en fait. Et voilà. Comment c'est possible? Ça remonte à il y a au moins 3000 ans. Moi, 3 mois, en fait. Salut, moi c'est Mister V. Je suis en train de faire des dédicaces à la Japan Expo, là. Et là, je vais prendre ma dernière dédicace. Allez, c'est parti. Oh. Bah, pardon, mec. C'est pas grave. Non, c'est pas cool parce que... Enfin, il a dit quand même que c'était le dernier. Vas-y, mec, c'est pas grave. Pas content. Hein. Ah, c'est à moi. Hey, moi, je m'en fous. Rends-moi la croque. Non, je vais me faire plein d'argent. Et je vais acheter plein de choses avec cet argent. S'il te plaît. Mec, fais pas ça. De toute façon, pourquoi avoir le million si c'est pour prendre perpète? De toute façon, tu vas faire quoi? Tu vas appeler la police? Bonjour, police. Oh monsieur, regardez, il a une arme. Est-ce que c'est un pistolet? Non. Très bien, bonne soirée. Attendez monsieur, est-ce que vous avez payé l'URSSAF? Hein? Écoutez monsieur. Vous devez déclarer votre chiffre d'affaires et payer toutes vos cotisations et contributions sociales, personnelles, obligatoires en fonction d'un pourcentage de ce chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. Je crois que je l'ai pas fait. Ah, mais non monsieur, pourquoi vous faites ça? Moi j'ai payé ma TVA, tout ça, la taxe, le taxi. Fallait payer vos impôts. Non, pas encore. De toute façon je le savais. Plus tu croques la cigarette à pleines dents, plus t'en tires des bénéfices. Mon gars, c'est réel. Pour la peine, je te libère. Mais non! Yes!